voit très bien différentes phases de vieillissement qu'il y a eu, donc des tesselles ou des émaux qui sont tombés par rapport au temps qui est passé. On rebouche les impuretés qu'il y a eu, donc on fait des purges au niveau des tesselles manquantes, donc on vient combler les manques. On a choisi de ne pas la déposer tout simplement parce que sur le chantier c'était assez compliqué. Il n'y avait pas forcément l'utilité. Il y a eu une surface d'entoilage qui a été mise dessus pour pas que les tesselles tombent lors du chantier. Donc aujourd'hui, on l'a désentoilée, on l'a nettoyée. On a à peu près 15 jours de restauration. Alors tout l'entourage en périphérie est refait aujourd'hui en zinc, donc ça a été déposé. Sur la conception de la corniche par rapport à celle qui était d'origine, on a amélioré 2-3 points de fixation et 2-3 points d'étanchéité à l'arrière qui ne changent rien en visuel mais qui changent au niveau de l'aspect final et de sa tenue dans le temps.